הלום בעזרת השם, לגמרא דסומאטה, מנחות, לפש, קרון תכועה, אה, לנשמת ישראל, נעיר בן חיה גיטל. תנו רבנן, הכל חייבים בציצית. תול מונט, סונו בליזה דפורטן ציצית. כיסא תול מונט, כהנים, לוויים, ישראלים, גרים, נשים ועבדים. לכהן, ללווי, לישראלית, לקונברטי, לפעם, איזה סלב. הלום נספיק, כיף כיף ציצית. כשתקחי את התורה. al Al-Arba, fot Bigdem Dorotam. Qui veut dire Un habit qui a quatre coins, tu mets sur le quatre coins des de des franges. Maintenant, aujourd'hui, dans la mode d'aujourd'hui, il n'y a pas un habit qui a quatre coins. Très rare. Tu ne trouveras pas un habit. Ni une chemise, ni un pantalon, ni une jaquette, ni un manteau. Rien. Rien. Alors, ils ont dit alors quoi Cette mitzvah va pas être accomplie cette mitzvah, on ne peut pas. À l'époque du Talmud, presque tous leurs habits avaient quatre coins. Parce qu'ils portaient des, des tuniques et ils portaient surtout des draps. Des draps, ils faisaient, de, ils faisaient leur, leur tzitzit. Okay? Le, sur, euh, sur le drap, ils faisaient leur, leur manteau. Etc. Alors, ils mettaient tzitzit. Alors, une personne pouvait avoir cinq tzitzit sur lui. S'il a cinq habits, il aurait cinq tzitzit. Okay? Tzitzit, c'est sur chaque habit qui y a quatre coins. Mais nous, nous n'avons rien. Alors, est-ce que la mitzvah va être délaissé Alors, ils ont instauré tzitzit katan. Allô tu dois, tu dois porter au moins toute la journée un, un habit. Alors, ils ont instauré, tu vas porter un Sissi de qui se porte sous la chemise. Personne ne la voit. Et ils aujourd'hui, ils t'ont facilité qu'ils l'ont fait en coton, en, 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 en laine qui a comme le coton, en tout ce que tu veux en polyester, rien que, porte-le comme un tricot de peau. Hello, il faut froid. Il fait moins 30 d'or. Tu mets un tricot de peau? Au lieu de te mettre ton tricot de peau, mets le titi, et avec quatre franges. Et tu n'es pas obligé de sortir le titiot d'or. Personne n'a besoin de savoir que tu as un titiot. Et c'est pas parce que tu portes pas la kippa, tu porteras pas la Ce Ce deux mitzvot individuels. Alors, même les gens qui peuvent pas porter la kippa toute la journée. Tu mets un titiot katane c'est un t-shirt. C'est en coton. Ça chauffe. Personne le voit. Le titiot, c'est à l'intérieur. et bien, tu as fait la mitzvah toute la journée. Qu'est-ce qu'il y a? Okay? Alors, il dit ici, si, qui c'est qui doit besoin de faire ça? Kohanim, Leviim, Israélim, femmes et esclaves. Rabbi Shimon omer, Non, les femmes ne portent pas le tithi. Pourquoi? Il dit, mipnei mitzvot, assez Car c'est une mitzvah qui dépend d'un temps. Nous avons des mitzvot qui dépendent du temps, une fois par an. Nous avons des mitzvot qui dépendent du temps, une fois par mois, et nous avons des mitzvot qui dépendent du temps chaque jour. Alors, on donne des exemples. Par exemple, ce soir dans la soukha, les femmes sont exemptées de la soukha. Pourquoi Parce que ça fait une fois par an. Écoutez le chauffard. La femme est exemptée d'aller à la synagogue ou écouter le chauffard. Pourquoi Parce que c'est une fois par an. Si elles veulent, oh, bah, au khaba, no problem. Ils reçoivent même un mitzvah. Mais c'est pas obligatoire pour elles. OK Une fois par mois. Une femme est exemptée de faire Birkat Alevana. Une fois par mois, on sort dehors, on bénit la lune qui, qui se renouvelle. La femme est exemptée de le faire, ça vient une fois par mois, okay? Une fois par jour, le tefilim et le tzitzit. Le tefilim tzitzit, ça vient une fois par jour. Rien que le matin, pas le soir. Alors ça dépend d'un temps. Le, la journée et pas la nuit. Okay? Maintenant, si une femme elle dit aujourd'hui, tu sais quoi? Moi j'ai envie de mettre le talit et le tefilim. Est-ce que je peux? Par exemple, si elle vient et dit moi j'ai envie de m'asseoir dans la soukha. Pas de problème, madame. Tu reçois, Dieu va te donner même une récompense. C'est extra, ça. Si tu n'es pas obligé, mais tu, tu veux. Okay? Et elle te dit, moi, je vais faire euh, n'importe quoi. Pas de problème. La seule chose, le shukrano qui dit, quand elles prennent elle prend sur elles une mitzvah facultatif, elles ne peuvent pas faire la bénédiction. Le, le rama, qui est l'opinion ashkenaz du shukrano, non. Si elle veut le faire, même elle peut le faire, la bracha. Par exemple, sous son mari, là, il vient à la, à la synagogue avec les loulaves, elle veut bouger le lulav. Il peut lui donner. Selon le ou tu peux bouger le lave sans bénédiction. Tu n'as pas le droit. C'est une bénédiction en vain. Mais selon les Ashkenaz, tu peux même faire la berakha. Maintenant, elle te dit, moi j'ai envie de mettre le tzitzit demain matin, le tzitzit et le tfilim. Qu'est-ce que tu dis okay? Dis-le Ravod Yosef, puisque nous avons aujourd'hui des mouvements dangereux, ça s'appelle des mouvements réformistes et des mouvements féministes et chauvinistes et tout ce que tu veux. C'est des gens fous qui veulent que les femmes soient égales à l'homme. Ils veulent que les femmes soient égales à l'homme. Alors, ils font le Mignan des femmes et ils font des tzitzis. Dis-leur Une femme qui vient aujourd'hui te dire, je vais mettre tzitzis, te filer. On dit non. Tu vas pas te ressembler à ce, ce groupe-là. Tu veux, tu veux pas. Tu veux t'asseoir dans la souka? Va t'asseoir dans la souka. Tu veux bouger le lave? Va bouger le lave. Mais, tu ne mets pas le téfilim, tu ne pas le De toute façon, de toute manière. Il y a une grande raison pourquoi la femme ne devrait pas mettre le talit et le téfilim. Tu sais pourquoi Parce que chaque deux semaines, elle est impure. Et tu ne peux pas porter le tefilim quand ton corps n'est pas propre. Donc, même un homme. Même un homme. Alors, elle ne peut pas faire. Alors quoi Deux semaines, elle va le mettre, deux semaines, elle ne va pas le mettre. Ah, il te dit, non, ça y est, il a dépassé son monopole là. Il a, ça y est, il a des enfants qui sont mariés. Écoute, on ne va pas jouer. Elle, oui, elle, non, elle, on ne joue pas avec ça. En règle générale, les femmes ne mettent pas ni tzitzit, ni tfilim, comme dit Rabbi yo, Nashim, petourim, Les femmes sont exemptées de mettre le, le tzitzit. Dis-la, Et dis pourquoi tu me dis que le Cohen est, exempté de, est, est obligé de mettre des tzitzits Pourquoi un Cohen, ce n'est pas un juif Pourquoi tu dis que le Cohen doit mettre le tzitzits C'est sûr, quand on dit on doit mettre le tzitzits les hommes, ça inclut toujours le Cohen. Pourquoi tu... Dis non. Le tzitzit, il avait quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'il y avait spécial dans le tzitzit Dans le tzitzit, les fils, les fils ils étaient en laine. Tandis que le tissu, il pouvait être en lin. Tu comprends Et là, ça s'appelle Chartenez. On n'a pas le droit de porter un costume qui est composé de laine et lin, l'in, okay? sauf pour le tzitzit. Pourquoi Parce que tu fais la mitzvah, la Torah t'a permis okay? de te faire même de fils en laine, en quand le, le labiot est en l'in. Okay? Plus aujourd'hui, plus aujourd'hui on ne fait pas par quoi Parce que ça, ça s'appliquait quand tu avais le trélète, quand il y avait le fil bleu, le vrai fil bleu du chilazon ». Qui n'existe plus aujourd'hui ou il y en a qui disent qu'on mais on n'est on, on pas sûr alors on prend pas la alors regarde le Kohanim dans le Beth il portait une ceinture une ceinture qui était composée en laine en lin qui est interdit pour un juif déporté. mais eux la Torah leur a donné cette mission de mettre le, le de mettre le, le, le la ceinture en laine et en lin composition laine et lin maintenant quand il sort de Beth Amigdash, il est obligé de l'enlever. C'est rien que pour le Beth Amigdash. Moi, Dieu, j'aurais pu penser, dit la que le Kohen qui porte déjà, il porte déjà de qu'il il porte déjà la composition de laine, en laine, dans le sens, sa ceinture. Alors peut-être il sera exempté de tout qui est composé de laine et laine. Kamash alors la Gmara vient t'apprendre, quand même le Kohen, malgré qu'il porte déjà la ceinture de Bait Amikdash, il est obligé de porter le tzitzit même si le tzitzit est composé de laine et l'un ensemble. il amen amen.